Alors. Attendez, l'arène. Voilà. Donc, Belos. Je sais que Maillon, je l'ai vu quelque part. Attendez. Non, Maquin, on le redoutait. Rien à voir. Non, mais y a pas de souci. Écoute, autant pour moi alors. Il me semblait avoir eu tombe solo quelque part. Je me suis. Enfin, de savoir déjà vu sur un autre stream. Je me suis planté. Autant pour moi. Tiens, c'est ça mon arme. 12% de dégâts de guerrier, 20% de dégâts de critique, 6% de dégâts en gravure bonus. Après, j'ai gagné le poison, mais ça m'intéresse pas les masses, tu vois. C'est parce qu'il est faible, Maillon. C'était nul à chier. Alors, attendez. C'est vrai que là, en vrai de vrai. Tu vois, là, pour le coup. Attends, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Ça reprend l'aptitude. Là, tu vois, il faudrait presque que j'enlève ce truc-là. Il me sert à rien, là, ici. Pour le coup, pour l'arène, ça serait presque mieux d'avoir les dégâts de poison, là, en soi. Mais bon. Après, j'utilise déjà mes dégâts bruts comme un fifou, donc bon. Ah, ça va être très très belle, hein. Ah, j'adore les armes lentes. Après, je suis un fanatique, hein, de l'arme lente, hein, pour ma part. Alors, gantelet de combattant de l'arène. Ouh, 50% de santé rétablie. Oh lolo, pas mal ça en vrai. Après, regardez-moi ces bras, c'est monstrueux. C'est juste dommage qu'il y a des dégâts d'assassin quand même. Dégâts de guerrier, 20 dégâts. Attendez, quand je serai 34, j'aurai ça là? 20 dégâts de crit, dégâts d'assassin, dégâts de guerrier. Négatif, dub. Négatif, négatif. Attends, je sais même plus ce que c'est. C'est quoi déjà? Non, 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 ça me. Non, je. Non, non. Non, les deux, Camilo. On est en assassin guerrier en fait, les deux. C'est juste. Là, Hunter, j'utilise pas du tout. C'est juste que j'ai utilisé les points, tu vois, mais j'utilise rien Hunter, comme vous pouvez voir, j'ai même pas les compétences. C'est juste que j'en avais marre d'avoir la notif des points en fait, ça me cassait les couilles. Mais sinon, je suis en full assassin guerrier. Hein. Ah, j'en doute pas, hein. C'est juste que là, pour l'instant, je suis pas. J'aime bien mes compétences, tu vois, on verra plus tard au pire. Mais là, j'aime bien ce que. Merde, jouer. Courage, DCB, courage. Bah, c'est sûrement très bien, Hunter, hein, j'en sais rien. C'est juste que là, ça m'intéresse pas en fait, tu vois, c'est tout. Ok. Ah, oui, c'est ça que je voulais voir, attendez. Parce que j'étais sûr que le membre du culte, il y en avait un qui était le boss de l'arène. Je suis pas dingue. Peut-être lui, non? Non, c'est pas lui. Peut-être lui. C'est pas lui. Peut-être lui. Pas lui. Peut-être lui. C'est pas lui. Putain, c'est qui? Merde. Non, poursuit l'Odyssée. Ah! Voilà, c'est lui. Combattre dans l'arène attirera la dette. Semble ton frère revenu d'une bonne bataille glorieuse, mais les moires ne le suivront pas. Hein, oublie l'honneur, oublie la gloire, fais comme moi, va à l'arène, regarde un combat, engage le vainqueur, c'est sûr. Ah non, c'est peut-être pas Maillon en fait. Maillon, c'est peut-être pas un connard en vrai. Le sage, ouais, okay, mais lui, le problème, c'est que. Ouais. Lui, j'en suis pas loin, mais bon, lui, niveau 45, ça doit attendre un petit peu. Hein. Voilà, chasseur, quel dommage. Hein. Ah, mais on sait peut-être pas encore. Pas de spoil, hein, évidemment. On verra ça plus tard, alors. Ok. Eh ben, écoutez, c'est parti pour le deuxième combat. Choisis ton adversaire. Les arènes, je trouve ça toujours génial. Hein. On va affronter donc Belos maintenant. Ah non, après c'est Chaos, attendez. Non, on va falloir faire Belos. Je vais transpercer Belos comme une. En plus, c'est un mec du culte, lui. Je l'ai vu, oui, je l'ai déjà utilisé, Folotte. Je sais pas si t'avais fait gaffe. J'avais mon bâton en feu et quand je tournoyais, ouais, ça en AOE, c'est la folie. Tu vides les packs de mobs d'une violence assez incroyable. C'est assez inouï. Fini de jouer! Bon alors, Belos. Salut les gars. Regardez, hop. J'adore cette attaque. Next. 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 Je les OS quand même avec mon attaque. Next one, les gars. Bah, moi j'aime bien d'une certaine manière, tu vois, j'AOE comme ça. Aussi, avec ce que je fais. Tu vois, d'une certaine manière, ça AOE aussi, hein. C'est juste un autre type d'AOE. Attends, je vais essayer le truc. Merde, je l'ai raté. Ah oui, non, mais on fait mal là, les gars.
Parfait. C'est good. Je suis pas à pleine santé, hélas, là. Allez, toi avec ton bouclier, tu te casses. Oh là! Moi aussi je peux te le faire, enfoiré. Allez les gars! Merci. Barrez-vous. Next. Et coucou Yon, comment vas-tu? Ah, le voilà Belos, c'est lui qui va me filer ma lance. Rang 5, chers amis. Belos, la bête de Sparte. J'ai pas le temps pour toi, Belos. T'es juste là pour me filer ma lance. Tu le sais juste pas encore. Vol, enfoiré. J'aime bien quand il peut pas résister à mes attaques. Allez, salut connard. Quand elle brise bouclier, c'est plus rapide. Entre une compétence pour briser le bouclier et briser le bouclier juste avec la force de tes coups, je trouve ça beaucoup plus stylé de taper dans les boucliers jusqu'à ce qu'il lâche. Dash et R1. Ah, c'est la frappe héroïque ici, là. C'est dans l'arbre assassinat. Ta lame, Mystios. La lance. Elle me rappelle des temps anciens. Les Perses. Ah, ça, cette lance en a tué quelques-uns. Et moi aussi. Sur le champ de bataille. Et dans l'arène. Tu t'es battu contre les Perses? Ah oui. Mais comment était-ce? Dur. Les Perses étaient des adversaires redoutables. Très nombreux. Leurs armées comptaient des guerriers. Ah, son bouclier, oui, il a pas été très utile là. Ils n'arrivent pas à encaisser les attaques lourdes de mon arme. Pour en venir à bout. L'unité du monde grec. On peine à y croire aujourd'hui. C'est vrai. Mais le retour a été plus éprouvant que la guerre elle-même. Pour Maillon et moi. Après la guerre, donc quoi, dans Maillon, ça va pas être un sac à merde, c'est un autre mec de sac à merde. Nous étions habitués au combat, à la mort. Nous avons retrouvé ça dans l'arène. Comment était l'arène à ton époque? C'était un lieu voué à l'honneur et à l'héroïsme. Pendant des années, j'ai trempé ma lame dans le sang. Mais c'était une autre époque, et j'étais un autre homme. Comment es-tu devenu un héros de l'arène, au fait? Qu'as-tu fait? J'ai survécu. Ok. Je dois partir. Tu as accompli un vrai... Merci. Ok. S'occuper de la fadette. Là, on va faire une petite pause dans l'arène. Parce que là, il y a quelque chose que j'attends depuis un petit moment maintenant. Je vais pouvoir aller valider ceci. Améliorer la lance. On est à 9 sur 9, les amis. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon. Parce que ça veut dire que la lance va passer en 5. Ainsi que les compétences liées à celle-ci. Par contre, il me faut un TP. Je me re-TP avec le bateau, au pire. Y'a pas un TP proche? Je suis étonné, tiens. Y'a pas un TP proche de l'arène?
Une zone d'exploration. Ah, il est très beau, hein. 6 sur la reine directement. D'accord. Ah oui, déplacement rapide. Eh ben, écoute, merci. Merci de cette information fort sympathique. Ok. Ça marche, ça marche, ça marche. Est-ce que là, je vais pouvoir enfin dégager les points chasseurs qui me servent à rien? Je les avais juste enlevés pour la... je les avais juste mis pour la notif, hein. La chasse ici, c'est pas mon truc, moi. Je chasse, mec, ma hache. Moi, quand je chasse le daim ou l'ours, hein, c'est la hache. Beaucoup plus stylé. Là, ça va faire vraiment un très gros up DPS, hein. Énormément de choses qui vont être up. Je vais peut-être d'ailleurs passer aussi en poison, on va voir ça. On va tester, hein. Étant donné que pour l'arène, ça pourrait être utile. Non, de quoi non. Dans l'origine, j'ai voyagé avec Nuggets pour découvrir les zones des cartes, ça allait plus vite. Ah ouais, carrément. Ah, t'étais chaud, ouais. D'ailleurs, est-ce que t'as suivi ce que j'ai dit dans le Discord, Easy? Parce que logiquement, ça va te faire plaisir. Bah, à toi comme à plein d'autres, hein, mais... j'ai analysé un petit peu la possibilité pour la saga AC. Je t'encourage à aller voir le général juste aujourd'hui. T'auras des news intéressantes. Je crois que ça va me faire pex de fou en plus, hein. Ouais, je sais, Fallout, mais bon, j'ai rien d'autre à en utiliser, tu vois. Là, dans l'arène, j'utilise pas ma compétence d'assassinat. Donc autant avoir ça en bonus. Mais ça me coûte pas grand chose, tu vois, c'est pas... Salut Anthony. Alors, est-ce que ça me fait le... Ah ouais, 20 000 XP. Oh, le level 34 en plus, qui proc. Parce qu'à partir du moment, tu vois, où j'ai rien d'autre, bon, bah, le bon sens, tu vois. Membre du culte. Oh. Qui est lui? Ah non. J'ai un indice sur lui. Le sage est armé d'une massue, le sage est un homme fort. Mais moi, je pense toujours que lui, c'est le mercenaire ultime, hein. T'as raison, je ne sais pas, mais on verra ça. On va réinitialiser tout ça ici. Voilà. Inventaire, j'ai eu quoi de beau? Attendez, c'est quoi que j'ai eu de nouveau? D'où vient ton pseudo? Ah, ça, 15-20 heures de live. Bah, je live 10 à 12 heures par jour, Hazare. Et 15 heures, ça fait que 7h30, hein. C'est pas un gros live, hein. Ok, alors. Coup de pied spartiate, oui. Voilà, le coup de pied est maintenant à fond. La cible n'est pas tuée, peut être sur le côté. Le coup de pied est si puissant que plusieurs cibles sont touchées par l'onde de choc. Maître d'armes, oui, évidemment. L'armure aussi, évidemment. Ici, la frappe surpuissante, oh oui. Oh là là, oui, 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 superbe. Ok. Le heal, évident. Le heal, je le mets ici. Bien sûr. Oui, on connaît life, il est plus long et qu'il égare en plus après le risque. Voilà, 50% de vie. Ah oui, en plus, ça m'enlève le feu et le poison maintenant. Excellent. Très bien. Alors maintenant, assassinat. Voilà. Dégâts d'assassinat. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, l'assassinat en ruée. Pour l'instant, je vais le mettre nulle part. Merde, mais non, putain. On le mettra dans l'arbre assassin. J'essaierai de faire vraiment un arbre assassin pour ça. Ok, donc là, c'est à combien de dégâts en plus? Allez, 150% possibilité 3 fois. Assassinat critique. Ça, ça va être magnifique, ça. 300%. 300% de dégâts en plus maintenant. Frappe héroïque aussi qui va me up. Ça, je dis oui. Attendez, c'est avec quel bouton? Je sais jamais, c'est celui-là. Non, c'était pas ça, Fabric, je sais plus. Ouais, 100% des dégâts d'assassin. Attends, what? Ah ouais, donc j'ai vraiment tout intérêt à monter aussi mes dégâts d'assassin. Très bien, maîtrise de la discrétion aussi. Voilà. Et maintenant, eh ben écoutez, ouais, on peut mettre le... Faire le poison. Révélation? Non. Appel aux armes? Non. Là, il met le pas en 6 secondes. Non, ok. Ok. Voilà. Donc attendez, 25 secondes. Les ennemis sont intoxiqués. Alors, ok. Le fumier utile pour perdre l'aggro. Ouais, ouais, j'en doute pas, mais pas grave.
On verra après pour les compétences assassins, tu vois. Maintenant, en fait, là, en gros, j'ai mon build tranquille, tu vois. Après, les deux derniers points, on verra pour les compétences assassins, tu vois. Genre, je me nique l'ombre d'Onyx. Ça peut aussi stylé pour les défis sub. Enfin, c'est stratégique aussi. Mais en vrai, faire un camp en full fufu, ça pourrait être stylé. Hein. Ah, la ligue du Péloponnèse, tiens. Niveau 37. Je vais bientôt pouvoir donc vision tous me les faire. Très bien. Améliorer la lance. Oh, 22. Ah, mais c'est niveau max, non? Je pense que là, 22, ensuite, c'est fini. Ah oui, 5 sur 6. Ok, d'accord, ouais, c'est ça. Et je me heal encore plus maintenant que j'ai l'adrénaline. Magnifique. J'ai combien de dégâts d'assassin là? Ah oui, 36k là maintenant. Ah ouais, là, ça va faire mal là. J'en doute pas, l'œil d'homme. Mais je suis pas du tout un archer, moi, ici. Point d'exclamation, war. Dis-toi, en fait, bien avant, à 5 le lycée, je joue toujours l'équivalent du guerrier. Là, tu vois, par exemple, battant en assassin, je vais la caler, tu vois, ça, ici. La frappe héroïque, on va la caler ici. Le heal, logiquement, j'en ai pas besoin si je suis en assassinat, clairement. Donc, ce qui fait que le heal, je j'ai pas besoin de le mettre. Affecter ça, pourquoi pas ici. Et clairement, tu vois, je peux mettre l'ombre de Nyx. Attends, je comprends pas. La compétence d'archer qui rend de temps. Ah, attends, oui, je sais de quoi tu parles. Attends, je l'ai vu ce truc là. Attends, ça me dit un truc ton truc là, c'est où déjà? Non, c'est ça, temps ralenti, c'est pas truc d'archer, c'est assassin. Mais ça reste une. Oui, là pour le coup, on va de l'assassinat, c'est juste quand je suis en full fufu. Et coucou, Talvin. Bas gauche, chercher. On parle pas de la même chose alors. Ah. Ouais, mais est-ce que ça marche? C'est pas une compétence? Attends, fais voir. Oh, oh. C'est du passif. Oh. Ah ouais, après je suis repéré par contre. Je suis quand même repéré. Ça baisera quand même le défi fufu parce qu'on est quand même repéré, tu vois. Moi, le défi fufu, il fonctionne à partir du moment où je peux toujours faire des assassinats. Si ce n'est plus le cas, c'est plus le cas. Bon, ok. Mais après, au moins maintenant les points d'altitude sont bien utilisés. Je pense que je mettrai l'ombre d'Onyx en dernier point ici pour les rushs fufu. Hein. L'ombre d'Onyx, ça me semblerait pas mal. Hein. Attends, on va juste changer par contre ici. Ça. Et ça, ici. Ok. Et salut Dvain, comment ça va? Bon, et bah écoutez, c'est pas mal. Les points d'aptitude maintenant sont bien dépensés, sont bien rentabilisés. Retournons l'arène. On est parti. On est parti, come back à l'arène. Come back au Shoto. Et coucou Daralex. Le fumiste, tu te fais repérer par un deux mecs. Tu lances du coup, tu as perdu l'agro et recommencer le fight. Oui, mais le défi sub est toujours mort. D'une certaine manière, tu vois. Et tu vois, tu as 8 secondes pour assassiner donc le mettre. Ah. Ah. Ah oui. Alors, Event la chasseresse, on va aller affronter Kalias et Soleil là. Dette à faire payer. Je vois. Tu as quelqu'un de je ne sais pas qui. De nouveau fufu. Oui bon, on est d'accord que si je me fais repérer, le fufu, le défi est perdu. Et encore merci à Daralex, ouais, qui a lâché 10 subs pour mon one shot du taureau crétoyeur. On est d'accord, tu vois, donc résultat. Non là j'essaie vraiment bah le. Ah mais lui c'est du ok. Lui c'est du direct. On lui va prendre tellement cher les gars. Allez. Oh là là. Allez, hop. T'es tout ce que t'as mec. Viens là. Ok. Allez, salut le mercenaire. C'était un petit mercenaire en même temps esselé à moi. Ah, il était pas à l'aise là. Ça marche, Camilo. Je vous dis, on va. Ouais, le poison au final. Mais bon, je crois qu'il tape un peu moins fort, les mecs. Ça m'aidera peut-être pour les mecs plus haut niveau que moi, tu vois. Ok. On re-sauvegarde. Bon, là, ça va être beaucoup plus chaud par contre. Ouais mais j'y peux rien ça pour le coup pour le test. Choisis ton adversaire. Là par contre on va affronter une madame qui est 36. Je vais chasser Event dans l'arène. 36 là. Là ça va être déjà un peu plus chaud là. Même beaucoup plus chaud là. Enfin ça, en vrai 2 levels de plus ça devrait aller mais bon. On va quand même rester méfiant. C'est ça. Les meilleurs, j'ai dit
C'est parti. C'est Hélène et les garçons, c'est ça? Ah, mais je suis full adrénaline. Oh, c'est les bibous. Ah, mais la frappe héroïque, elle fait encore plus de dégâts qu'avant, attendez. J'aime bien. Je trouve ça rigolo. Des cartes de niveau de combat. Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas du tout. Bonne question, je n'ai pas de réponse. Ok. Merde. Ah, attendez. Parce que je teste un peu mes nouvelles comptes là. Super. Combien? Ah mais elle a frappé héroïque, elle a un nouveau coup maintenant. Ah, ça va changer tellement de choses pendant les défis fufu. Ça va changer tellement de choses, chers amis. Ah, un peu plus de monde là. Ah merde, j'ai essayé de la finir. Ça en fait du monde, bordel. Archi à la con. Ah, y'a un nounours là. Oh là, deux nounours. Oh là là. Font mal les nounours. Quand même se concentrer hein. Mais putain. Ah, m'emmerde le nounours. Je ne sais pas, j'utilise plus Play et la réelle. Chier. En fait, je pense pas qu'elle puisse me. Putain, elle fait mal! Faut que je fasse gaffe, hein. Fait mal, hein. Putain, elle est relou. Ça va, on est pas trop mal. On est encore pas trop mal. Après, elle avait deux levels de plus, elle. Hein.
Elle a encore des barres. Ah, parce que l'empoisonnement réduit les dégâts, ça flotte. Merci. Fouf. C'est déjà plus stylé, ouais. Après, c'est le nounours qui m'a fait peur. Ah, ouais, bah écoute, tant mieux. Hein. Naguère de privilèges, en dehors du plaisir, de la renommée, de la gloire. Dis-moi, Mistyos, as-tu des proches, des amis, de la famille, des amants? J'ai des gens dans ma vie, des personnes qui comptent pour moi. Ah, les ours, quand je me suis pris une baffe, j'ai senti passer. Hein. Ma fille compte beaucoup pour moi. Le feu, je l'ai plus, moi, Régère, maintenant. Tu as sûrement dû te faire des amis dans l'arène. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tous morts. Je suis un héros de l'arène, le plus grand champion. Je les ai tués en combat honorable. Ils reposent sur la côte, loin d'ici. Et qu'en est-il de ta famille, de ta fille? Mon Anaya bien-aimée. La première fois que je l'ai tenue dans mes bras, j'ai su que je ne pourrais plus jamais tuer. C'est pour elle que j'ai cessé de combattre, même si je n'ai pas pu m'éloigner complètement de la... On va faire le prochain, mais je crois qu'il est 40 le prochain, ça va être très dur. Je pense pas que j'arriverai le prochain déjà. De nombreuses années. Bien, je n'insiste pas. Mais viens me voir combattre. Je t'envie, Mistyos. Tu as tout à gagner. Ne laisse pas passer une telle occasion. Le problème, c'est qu'il y a les trash avant, vous voyez. Bon, on est pas mal. On va sauvegarder. Attendez, j'ai eu un nouveau stuff, mais c'est bon, celui 36, là. Elle était quand même un peu plus tendue, hein, la madame. Ah, c'est ça qu'elle m'a filé. Ça avoue que c'est un très bel arc, hein. Très bel arc de poison, mais bon, il ne me sera pas d'une grande utilité, pour le coup. Ça, je m'en tamponne. Ok.